Bonjour à tous et à toutes, c'est Bob de Pesso. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être consacrée à Minecraft, une aventure que je vais faire en mode hardcore avec la version 1.8 pour l'instant. Hein. On verra après les mises à jour qu'ils feront. Donc pour le moment, ça va être en 1.8. Alors en mode hardcore, c'est-à-dire que quand je vais mourir, c'est fini, l'aventure se termine. Donc je vais faire très très attention. Alors faut savoir que Minecraft quand même, c'était vraiment le fer de lance de ma chaîne hein, dans les tout débuts. J'ai commencé à faire mes vidéos, ma chaîne avec Minecraft. J'adore ce jeu, hein, il est extra. Alors je vais créer un monde hardcore. On va marquer « tu l'as dans l'os ». Voilà. On va mettre « hardcore », c'est-à-dire que je ne pourrai pas dormir. Impossible de dormir, donc il va falloir que je fasse très très attention. Et pourquoi je peux pas dormir? Parce qu'on peut pas sauvegarder. Hein. On n'a qu'une seule vie. Donc voilà. Téléchargement du terrain. Alors j'ai laissé le pack de textures de base. Oups. Ah bah c'est bien, déjà il y a bouffé là-bas. Par contre, je vais me créer avant de les tuer parce que ça va être laborieux à les tuer. Il faut du bois. Ah bah il y a tout ce qu'il faut. J'arrive. Hein. Je vais chercher une épée et j'arrive. Donc ça fait plus d'un an, je crois, que j'ai pas joué à ce jeu. Et vraiment ça fait vraiment plaisir. Je ne connais pas toutes les nouveautés, j'ai pas voulu le savoir. Je sais quelques petits trucs, je sais qu'il y a notamment donc des lapins. Il y a des boss qui se trouvent en dessous, enfin dans la mer, apparemment, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Il y a pas mal de nouveautés en termes de cubes, des blocs, pardon. Il y a pas mal de nouveautés en gros, de toute façon, depuis que ça fait 2 ans, ouais, c'est au moins 2 ans que je n'ai pas joué à ce jeu. Donc voilà, c'est reparti pour une aventure en mode hardcore. Donc je vais faire très très attention et tout, à ne pas mourir. Il faut vraiment pas que je meure, hein. Déjà, c'est... Là, je viens de me faire une frayeur. Ok. Bon, déjà, je vais faire... Avec ce que j'ai, je vais commencer. Je vais me faire une épée. Je vais prendre un stock de bouffe. Je vais faire un établi. Voilà. Je fais mon petit établi. Je vais essayer de me dépêcher parce que la nuit arrive relativement vite. Et il ne faut pas que je meure. Donc voilà, ça, déjà ça. Je vais créer aussi une pioche. Je vais créer une hache en bois, j'en aurai besoin. Et je vais me créer une pépelle. Voilà. Ok. J'arrive. Je vais vous buter. Je vais faire un stock de bouffe. Parce que franchement, j'ai vu qu'il y avait du potentiel. C'est parti. Génocide. Alors, il y a de la viande de mouton, ça je le savais. Mouton cru. Il va falloir que je trouve du fer aussi. Tiens, c'est bizarre, on récupère de la laine blanche. On peut faire un lit? Je suis étonné. Attends, je vais voir ça, c'est pas possible. Je vais quand même regarder. Viens ici, toué. Je vais tout de suite vérifier parce que franchement, là, ça me... Ça paraît étonnant. Parce que je sais que la dernière fois que j'ai joué en mode hardcore, je pouvais pas faire de lit, justement. Ah si on peut. Alors on peut dormir, alors ça a changé. Ça c'est super par contre. Alors donc on pourra dormir, mais c'est possible que ça sauvegarde pas. D'accord. Ça doit être ça en fait, le beans. Ok. Je retourne voir les vaches. Elles sont où? Je sais qu'il y en a... Voilà, elles sont là-bas. Il y en avait un sacré paquet. Prostitue tout ce que... Oula. Je vais essayer aussi de voyager. Il y a pas de monkey. Hop là. Il y a pas de... Viens ici. Voilà. Ah, c'est bien. Ça me fait un bon petit stock de bouffe. Très important, la bouffe. Moi j'aime bien courir assez souvent hein, lorsqu'on court. Voilà, ça gaspille vraiment. Oh là mon dieu! C'est chaud! Ouais, mais
Je vais faire attention. Alors vous avez les crevasses comme ça, là on peut mourir vraiment très vite, ça serait vraiment bête. Ok, bah j'ai ce qu'il faut en bouffe, maintenant il va me falloir du bois. Alors le bois, il n'y en a pas beaucoup dans le coin. Oui, on est effectivement, c'est... Je suis un petit peu dans la mouise en bois. Moi, bon, je vais faire une petite coupure, je vais essayer d'avancer là-bas. Bon, bah, je vais me diriger un peu au hasard, parce que de toute façon, je n'ai pas vu de bois. Enfin, d'arbre de bois. Je n'ai pas vu d'arbre. Ça serait bien aussi que je tombe sur des villageois, tiens. Ah, j'ai vu un arbre là-bas. Ah, disons, c'est short, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis la nuit va arriver en plus là. Faut que je me dépêche. Hop, du charbon. Ça c'est bien, très pratique. Il va me falloir aussi 8 pierres, enfin 8 blocs comme ça là. Pour faire un four. 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Déjà j'ai mes pierres. Il n'y a plus de charbon, voyez-nous. J'ai vraiment pas de chance. Ok. Ah, il y a du bois là-bas. Impeccable. Vous avez vu les effets de l'eau, c'est vraiment joli, j'aime bien. J'adore ce shader. Du charbon. Ah bah, impeccable, je vais tout prendre. Voilà, j'ai pris tout le charbon. Enfin, qui était visible. Donc ça m'en fait 24, c'est parfait. J'ai beaucoup... J'ai à manger, j'ai du charbon, maintenant il me faut du bois. Tiens, il y a des chevaux. Et des villageois aussi. Bah c'est impeccable tout ça. Ça va me faire une maison. Et je voyagerai après. Bah dans l'idéal, là, ça serait bien que en fait je me fasse des armures en fer. Comme ça, si je suis surpris par un creeper ou autre, bah au moins je meurs pas d'un coup. En plus de ça, j'aimerais bien aller aussi dans... Oh, il va me falloir beaucoup de choses du coup. Il me faut du diamant, il faut que j'aille dans le Nether. C'est joli. Salut les chevaux. Il y en a plein en plus, hein. Les chevaux, bon, on peut les monter. Je sais plus comment faire d'ailleurs. Je l'avais fait en plus. Je sais plus comment faire pour les monter, mais bon, pour l'instant, moi... Pour l'instant, je vais pas prendre... Je vais pas prendre deux chevaux. Ah bah c'est impeccable, dis donc. Bah il y a les villageois et tout, c'est bien ça. Bonjour, qu'est-ce qu'il propose lui? Laine blanche, une émeraude. Un émeraude. Pourquoi je dis une émeraude? C'est pas très pratique son truc à lui là. Non, bah c'est bien déjà, au moins il y a des villageois. Enfin, j'en vois qu'un. Tu permets, je vais visiter votre maison. Ah bah voilà. Il propose quoi lui? Du charbon contre de l'émeraude. Ah, il rentre, c'est-à-dire que la nuit commence à tomber. Voilà, il y a un petit lapin là. Il y a un petit lapin, c'est cool. Bah je vais bah la nuit tombe. Je vais me mettre bah non, c'est déjà pris, désolé. C'est tout petit chez eux, hein. Bon, bah on va s'installer là. Je vais mettre le lit.
C'est impeccable tout ça. Vous voyez, les villageois commencent à rentrer, hein. Voilà. Et du coup, je me suis mis dans le lit, ça a pas sauvegardé, mais par contre... Voilà, le jour, ça fait passer la nuit plus rapidement. Ok, bah ce que je vais faire, je vais déjà manger, me faire mon petit four. Et lui, il fait quoi, lui? C'est le boucher, lui. Je vais faire mon petit four, je vais le mettre... je vais le mettre là. Je vais mettre l'établi. Et donc, voilà, petit four. Voilà, mon fourneau. Bon, désolé les gars, hein, je squatte chez vous, hein, je suis désolé. Qu'est-ce que tu proposes, toi? Et toi? Ok, je place le charbon. On va faire cuire tout ça, on va faire du bœuf cru. On va mettre le bœuf cru, on va faire donc bœuf cuit. Un bon petit steak. Oups. Jolie vue. Alors, qu'est-ce que... Oh, bah, je vais attendre que tout ça se finisse. Et puis bah, je vais aller miner un petit peu en bas là pour trouver du fer. Il faut du fer, hein. Faut vraiment que j'ai une armure en fer de façon à pouvoir il faut pas que je meure de toute façon, donc il faut que je sois plus résistant. Ok, mon petite coupure. Ah bah ça y est, la pioche est cassée. Alors j'ai été miner un petit peu vite fait pour récupérer des pierres. J'en ai combien? 22. Bon, c'est impeccable, je vais pouvoir faire un four. Je vais pouvoir faire un petit four. Parce que là, ça va pas assez vite, je trouve, la bouffe. La cuisson. Coucou le petit lapin. Alors, je trouve que c'est vraiment génial ce qu'ils ont fait, hein, le rajout de pas mal de petits mobs et tout. Donc bah ça va faire en plus des nouveaux crafts. Alors je vais essayer de les apprendre un petit peu. Merde, allez où ma maison? C'est celle-là. Je vais essayer de les apprendre un petit peu hors caméra. Ça en est où? Bah donc il les a cuits les 15. Ok. Qu'est-ce qu'il nous... Mouton cru. Mouton cru. Je vais faire un bon petit stock pour aller miner une grosse séance de minage. Donc voilà, tout a été cuit, donc bah, j'ai mon mouton, j'ai mes steaks, j'ai tout, bah, je suis, bah, en plus j'ai vraiment un bon stock, ce qui fait que je peux vraiment aller, partir à l'aventure miner. Alors il y a deux petites choses que je voulais vous dire, c'est-à-dire hors caméra, donc j'ai vu qu'il y avait un coffre et des fourneaux. Là-bas également, il y a un truc qui m'intéresse, c'est un truc bizarre, c'est un petit peu la couleur de lave, je sais pas c'est quoi. Ça fait une sorte de petite bulle là-bas. Je sais pas si vous le voyez bien. Donc ça m'intrigue et je vais aller là-bas. Et je vais également récupérer... Donc bah, je récupère le charbon. Je vais me récupérer... J'ai fait également donc des pioches, une épée en fait, en pierre, tout ça. Je vais récupérer l'établi. Et oui, donc c'est ça que je vous disais. Et en plus, y avait des fourneaux en fait. Ils étaient là. Il y avait des fourneaux. Alors ils sont vides. Mais je vais quand même récupérer les petits fourneaux. Voilà, ça me fait deux fourneaux. En plus, il y a de la lave. Donc ouais, c'est ça que je vous disais. Donc le coffre, il y avait un coffre. Donc c'est super, vraiment impeccable. Donc ça me permet de manger. Voilà, ça fait de la bouffe en plus. Petit stock de bouffe supplémentaire, une épée en fer, royale de chez Royal, des bottes en fer et une pioche en fer. C'est vraiment parfait. Donc bah, du coup ça je vais le mettre là, je vais le mettre, ça va me faire de la place. Je vais conserver ceci,
Voilà, oh, la nuit arrive. Merde. Vite. J'ai pas fait gaffe. Vite, vite, vite. Attends, je vais regarder un truc vite fait. Pousse-toi, 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 toi. Oui, quoi, regardez, il y a une petite lumière là-bas. Comme une couleur de lave. Vite, poussez-vous. Voilà, je me mets dans le lit afin de passer la nuit. Et c'est parti, je vais aller là-bas. Je vais récupérer également le lit. Épée en fer à la main. Et je me dirige. Donc c'était bien ça? Ouais, c'est ça. Sur cette petite lumière qui m'intrigue fortement là. Marécage, mais il me semble que bah, y a des slimes qui apparaissent ici. Si je vois des slimes, bah franchement, ça m'intéresse. Pour récupérer leur truc vert là, pour pouvoir faire des pistons collants. Ah bah voilà, c'était donc ça la fameuse lumière. Ah oui, d'accord, carrément. Il y a des blocs. Des blocs qui m'intriguent, là. C'est quoi, ça? Est-ce que c'est dû au pack de textures? Enfin, non, au shader. Diorite. Bah, c'est bien ce qui me semblait. Diorite, donc pour moi je découvre hein. Diorite, donc c'est une nouvelle sorte de bloc. Je verrai après ce que ça donne, je vais en récupérer un petit peu. De la diorite. Il y a du charbon, c'est quoi là-haut? Oh, il y a un gros bug là. Il est violent le bug. Ah, ça aussi c'est un bloc. C'est quoi ça? Granit. Pareil, je découvre, je ne connaissais pas. Granit. Bah dis donc, ça en fait un sacré paquet de nouveaux blocs du coup. Bon, je vais pas essayer de mourir hein, quand même. Ce serait un petit peu bête. Et je vais me mettre à la mine. Je regarde vite fait un truc. Apparemment, il y a de la neige là-bas. Ah oui, tiens, je vais équiper le... Bah, du coup, ouais, je vais équiper les bottes. Alors, j'ai pas filmé, mais je suis vraiment parti très 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 loin du village. Et je pourrais pas faire marche arrière. De toute façon, je vais explorer un petit peu ce nouveau Minecraft. Encore des petits lapins. Trop mignon. Je sais qu'on peut les apprivoiser, j'ai vu, avec une carotte, mais bon. Pour l'instant, je m'en fous un petit peu. Et je vois pas trop l'utilité. Mis à part le fait que ça soit un petit peu kawaii. J'aimerais bien trouver aussi. J'ai vu qu'il y avait des temples apparemment. Biomarécage. Ça, c'est un biomarécage, si je me trompe pas. Je regarde. Et si c'est vraiment c'est un biomarécage, je vais me faire une petite maison. Et je vais attendre. Je vais me mettre ici. Une grosse forêt. Je vais attendre et je vais me mettre ici et je vais me faire une petite maison ici là. C'est quoi ça? Ça me paraît suspect ce truc là.
Vraiment, c'est ça qui est bien, c'est que vraiment, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas, beaucoup de nouveautés, donc ça m'intrigue. C'est quoi ça? Apparemment, ça se casse. J'ai récupéré quelque chose. Un nouveau truc. Alors j'ai envie de me faire un truc sympa, c'est-à-dire je vais essayer de faire un. Alors ça va représenter beaucoup de boulot, donc je vais le faire hors caméra, je vais vous expliquer. Comme je l'ai dit, je vais faire une maison ici. Je vais la faire en surplomb en fait, en hauteur. Et j'ai bien envie donc de faire des crevasses tout autour, en forme de carré. Et puis laisser la nuit passer et regarder s'il y a des slimes qui apparaissent et également les monstres, hein, je vais les voir mourir. Donc je vais faire un truc sympa. Ça représente pas mal de taf. Enfin de taf. Et ça va prendre du temps. Voilà. Donc c'est parti. Déjà. Petite pépelle. Ouais, je vais regarder comment je vais faire. Ouais, ça va être sympa. Alors on peut s'apercevoir l'étendue déjà de la construction. Ça m'a pris déjà, on en est. Enfin j'en suis plus de 45 minutes. C'est-à-dire qu'en fait j'ai fait à partir de deux points d'eau un gros piège. Qu'il tombe de n'importe où en fait, si les monstres veulent m'attaquer, ils vont tomber. Ça va les amener à un seul point au final. Voilà. Ça va les amener à un seul point, c'est-à-dire celui-là. Alors là, je vais travailler là-dessus justement. Je vais essayer de faire une sorte de. Un petit truc, une sorte de. Un petit piège où je pourrais les voir avec de la glace. J'ai du mal à remonter, c'est pas évident. Le courant est très fort. Et je vais récupérer donc du sable que je vais faire chauffer. Mais carrément, je suis bloqué quand même. Je peux même pas bouger. Ok. Je vais récupérer du sable que je vais faire chauffer pour faire donc de la glace. Le sable, j'en ai vu. J'entends des monstres, mais je pense qu'ils sont en dessous en fait. Mon Dieu, c'est 1000 ans. Voilà. Et ici, en fait, je vais mettre une petite couche de pierre. Comme ça, je l'enlèverai. Je vais mettre une couche de pierre, une grosse dalle de pierre. Et je vais faire ma maison. Je mettrai des barrières. Donc là, il va faire nuit. Alors, vous avez vu, c'est énorme, hein. Je vais faire un piège où je pourrais y accéder justement assez facilement. Travel to the underground just to bring you back safe and sound with me. I had to break you, but I'll put you back together forever together. Just think of all the times we'll have. Illuminate my dark and boring past. I knew I couldn't do this on my own. I love you, 'cause you're my glowstone. I'll risk my life going to the nether, and I'll be fine, but with you I'll be better. And that golden look just makes me smile, and you light up the night. Think I'll stay for a while, who knows? Don't tell, but I think I like you better than my diamond clothes. Now it's bright in the mine at last. The expectations that I've had for you, you've passed. The attachment that I have, I would have never known. I love you, 'cause you're my glowstone. You're my glowstone.
I wish it was forever, the time that we're together. I hope you never grow old and you never grow dim, that you're the same light that you've always been. Because it's you and me, I light up at the thought. Miners are scared of the dark, but with you I'm not. And can we keep this the same? Every day is a clone. I love you, 'cause you're my glowstone. You're my glowstone. You're my glowstone. Voilà, donc j'ai fini Moi, ça fait 3 heures que je suis dessus, j'ai fait des petites coupures bien sûr. Je vais prendre mon épée pour le coup, l'épée en fer. Et donc voilà, je prends mon épée, j'ai un petit peu de bouffe. Ouais, c'est bon, un petit peu de bouffe. Voilà, la construction est terminée. Alors j'ai peaufiné un petit peu et tout. Alors je vais vous faire visiter. Alors c'était vraiment un vrai boulot. Alors vous avez en bas des courants donc qui ramènent à un seul point. C'est-à-dire que n'importe quel endroit vont tomber les monstres en bas. Donc voilà, ça c'est les courants de départ, gauche et droite, gauche et droite. Voilà, le courant va les emmener à un seul point, c'est-à-dire celui-là. Voilà, le point qui se trouve ici. Nous allons voir comment c'est. J'ai nettoyé la zone, j'ai un petit peu aplati. J'ai eu un arbre géant parce que j'ai trop collé deux plans. J'ai fait un agrandissement donc de la... Comment ça s'appelle ? Du surplan, on va dire. Là, ce qui se trouve là-bas, en fait, c'est pour accéder... Alors là, je vais laisser la nuit, hein, pour la première fois. Alors, je suis en mode hardcore. On va visiter ça. Alors ici, ça, c'est le piège à araignée. Hein, c'est vraiment... Alors, c'est les seuls petits machins là qui vont réussir à grimper jusqu'ici. Et ils vont avoir un seul endroit donc pour y accéder, c'est cette petite voilà, ce petit espace. Dès qu'ils vont arriver, en fait, ils vont mourir sur les cactus. Alors je l'ai pas testé ni en créatif rien, mais pour moi c'est une question de logique, en espérant que ça marche et tout, en espérant aussi que j'ai des araignées. Voici donc mon petit plan. Alors j'ai fait un petit passage. Alors on entend des mobs, à mon avis, ça je le verrai dans le prochain épisode. Hein. Je vais explorer tout ce qu'il y a en dessous. Je pense qu'il y a un petit donjon en dessous. Voilà, donc là on accède à l'extérieur. De cette façon-là, avant. Donc tout est sécurisé, donc la nuit va tomber, c'est exactement ce que je voulais. Voilà ce que ça donne un petit peu. C'est-à-dire qu'ils vont arriver, moi je vais me mettre dehors. Et les monstres vont tomber donc dans le courant. Par contre, je vais me dépêcher. Je referme bien le petit portillon. Pareil, la porte, je vais la fermer. Alors, j'ai vraiment tout éclairé de façon à pas avoir de spawn. Donc là, voilà, ça va être vraiment l'arrivée des monstres. Ils vont arriver par ici. Et de là, en fait, je vais pouvoir les tuer. Je sais pas s'ils vont pouvoir me toucher. Je vous l'ai dit, je ne l'ai pas testé. On est en mode hardcore. Hein. C'est un petit peu... On verra ce que ça donne. Voilà, on va aller voir l'extérieur. Alors, c'est la première fois que je sauvegarde pas pour faire passer la nuit. Donc là, c'est actuellement la nuit. On va voir les mobs qui apparaissent, peut-être. Alors effectivement, on en voit déjà deux là-bas. Je sais pas si on les voit bien. C'est deux archers. Ah, s'il y a des creepers. En haut, j'ai mis plein de bougies hein, pour pas qu'il y ait de spawn. Je vais quand même prendre mon épée, on sait jamais. Là, il y a un zombie. Il se dirige vers moi. Est-ce que mon piège va fonctionner? C'est impeccable, il fonctionne.
Voilà, le zombie donc part dans la direction. Alors, je l'ai pas testé, hein. Ça fait trois fois que je le dis, mais en espérant que ça marche. Qu'est-ce qu'il y a comme autre monstre? Là, nous avons un creeper, deux creepers. Ah, il y a un creeper qui m'a vu. Je ne connais également pas l'intelligence artificielle de la 1.8. Bah regardez, il saute pas. Ah, il saute, l'araignée saute. Oh, par contre, je réfléchis, pour le coup, l'araignée... Attends, je vais aller voir, parce que l'araignée, ça fait une case. J'ai un petit doute, là. Et j'ai pas envie de faire de boulettes. Pareil pour le creeper, j'ai peur qu'il explose et que je meure. 3 heures de travail, ça me ferait bien mal. C'est bon, le creeper, je l'ai eu. Impeccable. Bah, mon petit piège fonctionne bien. Par contre, l'araignée, je sais pas où elle se trouve. Je ne vois pas l'araignée. Ah, j'entends un slime. C'est exactement ce que je voulais. J'arrive pas à trouver... Alors, je vais aller voir où se trouve l'araignée. J'entends donc... Donc là, nous avons le squelette archer. Alors, il y a pas mal de mobs hein, qui sont apparus. Alors, où il est le slime? Je l'entends, mais je le vois pas. Ah, il est là. Ah, il est énorme. C'est exactement ce que je recherchais, c'est du slime. Donc j'ai bien fait de m'opposer ici. Je crois qu'on va rester un petit moment ici. Il faut qu'il me repère. Apparemment il va être bloqué parce que j'avais pas prévu le coup. Lui il est beaucoup trop gros. Ok, donc ça, il va falloir que je fasse un arc pour pouvoir l'avoir. Alors j'avais pas prévu le coup pour le slime. Il fait 3 carrés de hauteur. Et là il est coincé. Il y en a un autre là-bas. C'est parfait tout ça. Franchement, super. Franchement, j'ai assuré. Oh, il y en a même un autre là-bas. Bah c'est excellent. Écoutez les petits loups, on va se laisser là-dessus. C'était Bob de PSO. Je vous dis rendez-vous pour la prochaine aventure. Je suis vraiment content de ce que j'ai réussi à faire. Alors c'était du vrai job, hein. Mais bien, ça fait vraiment plaisir. Le résultat, il est là. C'est exactement ce que je recherchais. Regardez, il tombe. Il faudra que je trouve une solution. Alors, vous voyez, l'araignée, elle est bloquée. Viens là, mon Lulu. Ils sont pleins, en fait. Je vais améliorer ce piège à monstre là. Et il m'a touché, hein. Il m'a touché, ils ont été réduits. Ça, c'est très bien, ça. C'est excellent. Je vais aller voir ça de ce pas. Ah bah oui, ils sont bloqués du coup. En fait, c'est l'araignée qui les bloque. Mais c'est super mon piège. Je suis vraiment très content. Cool. Mais ça c'est juste extra.
Franchement, c'est extra. Je vais pouvoir faire des pistons collants carrément. 9 boules de slime. Eh ben, c'est vraiment superbe. Je vous dis à tous et à toutes à bientôt. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'était Bob de PSO, partie numéro 1. Ciao.